sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une lecture pour les personnes du signe zodiac Gémeaux, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et c'est parti pour un tour. Sur l'écran s'affiche mon Instagram. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à mon Instagram. Cliquez sur j'aime quand il s'agit de cette vidéo, mais surtout, surtout, partagez-la. Partagez-la, c'est important, ok? Alors c'est parti. Ok, les Gémeaux, c'est votre lecture, non? Voyons voir un message pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'empereresse. On a peut-être ici une femme que vous venez de mettre enceinte. Peut-être que vous attendez un enfant, peut-être que vous attendez un bébé. On a ta femme qui est enceinte. Ne me posez trop de questions. Ta femme est enceinte. En tout cas, j'espère que c'est pas ta maîtresse, parce que de toutes les manières, c'est la célébration. Je vous ai déjà dit, je ne peux pas être venue surveiller enfant de quelqu'un, mais je vous lance les grandes roues. Il y a ici une femme qui est enceinte. Ou encore, tu es peut-être ici une situation où tu vénères une personne, tu honores une personne. Tu essayes de passer le plus de temps possible avec ta femme, avec ta chérie. En tout cas, il y a une femme ici qui te fatigue. Elle te fatigue la tête. Elle te fatigue la tête, elle te fatigue le cœur, elle te fatigue. Elle te fatigue. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il est probable que tu vises à avoir certains problèmes avec cette même femme-là, donc à coton au cœur. Peut-être qu'actuellement tout va bien, tout est beau, tout est magique entre vous, mais il y aura ici une période où il y aura une période de séparation. J'ai l'impression que peut-être elle risque de s'éloigner de toi, de commencer à s'éloigner de toi. Il y a sûrement même un déménagement ici qui risque d'avoir lieu. Elle risque de déménager tout d'un coup comme ça. Tu sais plus où elle est, tu sais plus où elle est partie où. Il est probable que toi-même tu es un homme marié. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Où est-ce qu'on s'en va comme ça, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Il est probable que toi-même tu es marié. Tu as peut-être déjà ici un commitment avec une autre femme, des enfants avec une autre femme, une maison avec une autre femme, mais tu as une maîtresse. Donc peut-être que cette femme-là qui te fatigue, en fait, c'est ta maîtresse. Et tu as l'impression que c'est le moment de te séparer d'elle et tout. Il y a peut-être aussi ici quelque chose qui s'est passé vis-à-vis d'une grossesse. Une grossesse pourquoi là? Peut-être qu'elle est tombée enceinte et puis tu l'as fait avorter l'enfant. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé. Il est probable que tu es ici dans une situation où c'est le moment pour toi en tout cas de laisser tomber une maîtresse. Il y a aussi un certain problème d'infidélité dans les parents. Je ne sais pas, peut-être que ton mariage n'a jamais été un mariage facile. Peut-être que toi aussi tu es juste un homme infidèle. On a pas se dire les vérités. Soit tu es un homme infidèle à perpétuité. Ou mais c'est ta femme qui est une femme infidèle. Alors non, si tu es une femme, c'est peut-être toi. Parce qu'il y a des femmes, on se connaît. On se connaît. Elle est mariée mais elle a aussi deux gars. Un qui lui achète les unités, l'autre qui lui achète les habits. On se connaît. Ok? Mais il y a ici une situation qui se passe où j'ai l'impression que tu décides de t'éloigner d'une personne pour retourner avec une personne avec qui tu as des enfants. Il y a peut-être ici une situation où à un moment donné, il y avait une séparation, peut-être dans ton mariage. Peut-être qu'à un moment aussi, ça n'allait plus vraiment entre toi et une certaine femme.
Peut-être qu'à un moment donné, tu voulais changer de vie, tu voulais faire... En tout cas, tu voulais changer de vie, tu voulais avoir une autre vie, quelque chose de meilleur, quelque chose de beau, quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. C'est ce que tu voulais. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Parce que... En voulant te séparer d'une femme avec qui tu as des enfants, sûrement que tu as rencontré une autre femme qui aujourd'hui est enceinte de toi, mais j'ai l'impression qu'elle était enceinte et puis elle a enlevé. On essaie qu'elle quitte enceinte et puis elle a enlevé l'enfant. Something like that. Peut-être parce que tu lui as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Tu as sûrement dit ici à une personne, écoute, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas en garder. Et puis elle s'est énervée, elle a enlevé. Mais il y a quelque chose ici qui se passe où tu as l'impression que... tu dois retourner vers ton passé. Tu veux maintenant chercher à retourner vers ton passé. Tu as l'impression que c'est ça que tu dois faire, que c'est ta responsabilité, que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas que tu n'as pas d'autre choix que de retourner dans un mariage qui n'est pas fini, dans une relation que tu as avec quelqu'un depuis longtemps que tu n'es pas fini, tu es peut-être russe, you know. Encore, tu habites en Russie. Et tu as ici l'impression que tu dois tenir tête à ta propre situation et juste être responsable. Et donc, tu décides de laisser tomber une femme derrière pour retourner vers une autre femme. On a ton passé ici qui est en train de redevenir ton futur. Yeah. On a ici une femme qui se sent délaissée, elle se sent laissée. Ça peut être même aussi une personne qui a l'impression que tu n'as jamais vraiment investi de l'argent dans sa vie non plus. Que tu n'as jamais réellement investi de l'argent, que tu n'as jamais réellement... Tu l'as jamais vraiment aidé non plus, en fait, dans sa carrière, donc, ou encore dans sa vie. Donc, on a ici quelqu'un qui se sent délaissé. On a peut-être ici quelqu'un qui voulait que tu rencontres sa famille et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être que tu lui as menti que tu allais rencontrer sa famille et tu n'as pas rencontré sa famille. Il y a ici une distance. Tu décides de partir. Tu décides de partir voir ailleurs. Il y a une autre femme. Il y a une autre femme dans la photo. Ok. Si on a un homme qui doit choisir entre deux femmes et que tout d'un coup il a disparu de ta vie, tout d'un coup il n'est pas là, tout d'un coup tu ne sais pas où il se trouve, c'est parce qu'il devait faire un choix entre deux femmes et apparemment il a choisi une autre femme. On a ici quelqu'un qui choisit d'être avec la mère de ses enfants, la femme avec qui il a des enfants, la femme avec qui. Is committed. Ok? Tu peux aussi avoir affaire à quelqu'un qui est connu ou quelqu'un qui travaille beaucoup. On a aussi c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes de maison, quelqu'un qui a un problème de maison actuellement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.